Sumalo se varumi nuraim amsarai varumi jeravilo sevate malusurum ayublemin saumi no jevo. Le prophète Elkanah et son épouse Shalom pour cette belle initiative qui prend corps ce jour. On croyait que c'était un rêve, mais là nous voyons que c'est la réalité parce que vous voyez comment nous sommes dans l'attente, on est tout excités. Nous on voulait déjà prendre le taxi, on croyait que le bus ne devait pas arriver. Nous venons de Bibombidou, du côté de Lumden là-bas. Et on est arrivé à Ala, on n'a pas vu le bus. Nous, on s'est dit qu'on s'est réveillé à 4 heures, on s'est dit qu'on n'aura pas le bus aujourd'hui. Nous sommes arrivés ici, on a dit que le bus est allé là-bas. Merci papa, merci mamie, longue vie à vous, bénédiction, love. Je suis vraiment contente pour les bus parce que quand j'ai connu Rema, il fallait que je quitte là où je suis et j'habite très loin maintenant parce que là où je suis, j'étais à Olezoa, c'est là où il y avait la sorcellerie. Et le dieu de papa et maman m'a enlevé de là, il m'a mis à Moyo. Alors, c'est pas facile pour moi d'arriver à Kouaban parce que ça me fait 2000. Hier, je suis à la radio, j'étais en montagne, ça s'est bien passé et je n'avais plus d'argent pour venir au culte. Alors hier, je prends la radio, on me dit, il faut prendre le bus à Hala, Carrefour. J'étais très ravie parce que j'avais déjà dit à ma fille, il faut me trouver quelque chose, elle m'a trouvé 1000 francs. Alors je suis très contente pour le bus parce que ça va nous permettre d'aller au culte. Parce que tout le monde n'a pas les moyens, c'est dur au Cameroun. La situation est très difficile au Cameroun. Pour les bus qui sont éloignés, ça va les avantager. Là, on pourra mettre notre argent pour l'offrande. Je remercie vraiment le Seigneur, le Dieu de papa et mamie. Et mamie, ce qu'ils ont préconisé pour les bus. Merci beaucoup. L'idée des bus a été très bonne parce que nous autres qui sortons de loin pour se déplacer avec les enfants, ce n'était pas vraiment facile. Tu peux bien avoir l'envie d'aller à l'église, mais quand tu regardes la distance et les dépenses, tu te décourages encore. Donc nous disons merci à Mommy et à Daddy. C'est Barami, la promi, j'ai me saoui, faï, place romi, nora, pas saï, mais nous sommes j'ai, Bonjour, bonjour, vraiment, ministre Michel, uniquement, vraiment, oui, nous sortons là de Mbankomo. Nous sommes là juste pour attendre le bus. Dans quelques instants, il va arriver. L'idée de papa est une très bonne idée. Ça nous aide, nous qui sortons de loin, afin de nous rendre au lieu du culte pour louer notre Dieu. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Et j'ai prié pour que Dieu continue à l'élever, qu'il lui donne la force de continuer à grandir et de mener à bien la mission qu'il lui a assignée, celle d'encadrer, d'enseigner ses brebis pour que nous tous, nous arrivions à bon port. Que Dieu bénisse le couple prophétique, le prophète Ferdinand Elkanah et son épouse, Mommy Shalom, toute sa famille, et qu'il bénisse aussi toutes les brebis de Rema. Amen. Thank you.
norai vro desrai norai bla maro soro ativini malo savurame agones kremi dulmei asurumi maloi velei minulei amlo. Ça a été merveilleux. J'ai attendu le bus est venu nous prendre, il s'est arrivé à bon port. Et rend grâce à Dieu pour ces merveilles qu'il fait dans nos vies. Hein? Le retour serait pareil. Nous sommes contents. Nous sommes très contents. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Et vos sourons, et Jérémy. Oui, on est très 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 content pour une première fois parce que dès le début de l'ouverture de cette église-là, ça nous a vraiment peiné en matière de finances, mais heureusement que le prophète a eu à décider avec l'assemblée, ils ont eu à nous mettre un bus à notre disposition, vraiment ça nous raccourcit le soin et nous sommes très très contents de cette manière donc on gère cette situation. Vraiment c'est une très très bonne chose pour l'assemblée de Réma. C'est un jour fantasmagorique, comme dit souvent notre père, et c'est un exploit pour le ministère Réma. Vraiment, vous voyez comment tout le monde descend avec une satisfaction. Vraiment, que le Dieu de nos parents continue à bénir le couple prophétique pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Vous voyez, les gens sont à l'aise dans les bus et nous descendons étant satisfaits de cette gratitude. Pour le non-paiement des frais, des taxis et autres, ça nous allège. Et puis vraiment, merci beaucoup. Et nous disons merci au couple prophétique, nos parents. Merci à l'Éternel. Bon, je suis déjà très content parce que là, le Seigneur a permis à ce que Dadi puisse réfléchir. Puisque nous qui étions loin, nous nous voyons déjà écartés de notre maison. Déjà, de Bokom Kozoa pour Nkwaban, c'est pas la porte d'à côté quand même. Alors là, je dis merci vraiment à Dadi et merci à tout le monde. Jeve jeve ramino rain fraisra asura mi molle jo zavaro sufirmelo ayudame. Le peuple de Dieu, je vais rendre grâce à Dieu pour le couple prophétique, pour cette initiative dont il a opté pour nous de pouvoir mettre sur pied les bus. Nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que ce n'était pas vraiment facile pour nous d'arriver à ce niveau, à ce culte le matin. Franchement, il fallait avoir au maximum 2000 francs pour le déplacement. Donc, je bénis le couple prophétique. J'ai béni le peuple de Réma dans le nom souverain de Jésus. Amen. Non, c'est un grand témoignage. C'est l'année 2021. Ça veut dire qu'une année glorieuse. Dieu nous a bénis. Il y a la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Allez-y. Donc je suis très joyeux, vraiment. C'est une joie pour nous, pour l'Éternel, vraiment, que papa et mamie ont pu nous mettre en disposition ce bus. Je suis très joyeux, je suis très content, vraiment, je ne sais même plus quoi dire. Que l'Éternel soit glorifié encore, encore et encore, et que l'Éternel bénisse encore nos parents au nom de Jésus-Christ. De toutes tes promesses, oh mon Dieu, je t'en supplie.
n'oublie pas ta part. Pour ma toute première fois que je suis très en joie. Parce qu'à ce jour, je reconnais que vraiment, il faut marcher avec le Seigneur. Nous avons trop souffert. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné le plus. Vraiment, nous a donné le plus. Mon Dieu nous a donné le plus. Ça fait une joie dans notre cœur. Je suis fier comme l'Éternel nous a béni d'avoir ce bus. Et je rends grâce à Dieu comme il nous a béni avec ce bus que plus personne ne va souffrir sur la poussée et sur le soleil. C'est une grâce pour nous de nous retrouver toujours avec nos parents qui font des efforts par tous les moyens afin que nous soyons à l'aise pour venir au culte. Alors le bus, c'est une grande première qui doit pouvoir continuer. Nous sommes bénis et nous sommes très contents. Éternel, ne m'oublie pas. La Bible dit dans le texte hébreu. The Bible says in the Hebrew text. Na'ar she'adam b'shalmenu, ijewa yomer Elohim. Na'ar she'adam b'shalmenu, kit mutenu. Et l'Elohim dit, faisons l'homme. Let's make man. Beshalmenu, à notre image, in our image, quitte mutenu, et à notre ressemblance. And our resemblance. D'être avec moi, Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Seigneur, touche nos vies ce soir. Touche nos vies, Jésus. Thank you.